Ok. Oh, c'est hyper minuscule. Wow. Oh, le sélecteur, il est bas, sa mort. Oh, oh, le frein. Je refais le frein. Wow, tout est bas. Tout est bas. Oh mon dieu. Enfin, c'est trop reculé en arrière là. Mais c'est quoi ces conneries? Oh la vache. Ah ouais. Alors, ça commence bien. Alors, j'arrive pas à trouver le frein. Alors, j'ai l'habitude de freiner du frein arrière. Bon, du coup, ce petit essai se fait sans l'adaptateur de la GoPro Hero 8. Donc, j'ai encore mis les écouteurs iPhone. Voilà, c'est assez galère. J'espère que le son va passer. C'est hyper léger, c'est petit. Enfin, très petit même d'ailleurs. Position de conduite. Eh ben, on est archi droit. Archi droit avec les jambes. Enfin, je vous dirais même les pieds, en fait, vraiment en arrière. Et c'est galère pour aller chercher le frein ou même passer la vitesse. Oh, bon, le frein arrière, j'oublie du coup. J'ai l'impression que ça freine pas du tout du frein arrière. Je sais pas pourquoi. Petite mais costaude. Ça, c'est sûr. Oh, ouais, ça lève. Ça change de la GSX-S. De temps en temps, d'avoir quelques folies. Et ouais, il y a une bonne tenue de route, hein, c'est un bon petit vélo, quoi. Allez. C'est un bon petit vélo. Et ouais, putain, je l'emmène dans les virages, quoi. Tranquillement. Sans forcer. Par contre, hein, comme vous savez, j'ai bien pas eu de siège. Là, il y a de la place. Mais par contre, le siège, c'est un béton, mon pote. Tu t'écrases le cul. Oh mon dieu. Ah, oh, c'est horrible. J'ai l'impression d'être sur une plaque en bois. Il n'y a rien de confortable. Oh la patate de la machine, les gars. Oui. Ouais, yes, yeah, ouais. Bon, après j'arrive un peu vite peut-être. Donc ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux quoi? Comment? Oh sa mère, la patate qu'elle a cette moto. C'est fou. Ah, ça ne l'a pas fait là. Je crois que le compteur en fait change en fonction de la luminosité. Vraiment bas, hein. Il est vraiment bas, je suis obligé, vous voyez, hop, de baisser la tête pour regarder mon compteur. Donc j'ai pas forcément les yeux dessus. Et tu fais pas trop gaffe à la vitesse à laquelle tu roules. Regardez-moi ça. Un vélo encore plus léger que l'MT, les gars. C'est sûr. J'ai aucun stat en tête, mais je le ressens. Au niveau des cuisses, là ça reste hyper fin. Ok. Mais bon, ça se tient quand même. En gros, j'ai les cuisses fermées et les jambes écartées. J'ai l'impression que je vais me pisser dessus. Mais sinon, la conduite est fun. On prend grave du plaisir à la conduire. C'est super. Les rétros, de base. Après, tu peux toujours les changer. Mais perso, je pense que c'est pas une priorité. Tu vois, t'as certaines motos, tu vas directement changer les rétros parce que bah, ils sont totalement dégueulasses. Mais là, en fait, ça va directement avec la moto. C'est pas disproportionné. J'y vois assez bien dedans. Non, franchement, c'est plaisant. Ah merde! Ah si, on peut passer. On va faire gaffe, il y a des gravillons partout là. Alors attends. Est-ce que je peux passer tout droit parce que je suis une moto ou est-ce que. Ah si, c'est bon, ça passe! Regardez-moi ça. Hop, regarde. Impeccable. Voilà, c'est bon ça. Oula, attendez. Oh là 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 là, attention, mise en situation réelle. Bam. Oh, ça passe. Oh, c'est complètement fou. Oh, elle est trop légère, tu fais ce que tu veux avec. KTM, c'est donne l'image un peu de moto un peu kéké, on va pas se mentir. Moi, quand on parle de KTM, je vois tout de suite un gars en 50. Et ben voilà, depuis peu, ben, je m'intéresse petit à petit à la KTM. Pas la 790, mais la 1290 qui est pas trop mal, hein, franchement. Elle est vraiment stylée. Allez, on s'est vu tout à l'heure, toi. J'étais à la fille. Regarde, on peut lui faire, les gars. Il l'a fait. Bon, voilà, hein, 50 ou pas, ça reste un motard. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous faites un vieux motard aux personnes, aux 50, etc. Moi, je sais que oui, parce que bah, je me dis, voilà, t'as vu.
Avec plaisir, je crois qu'il vient juste de me voir. Impeccable. On va tester les suspensions de cette petite bête sur une route. Wow, franchement, ça va. Ça va, non, vous allez pas trop le voir avec la GoPro et avec l'hyperfluence. L'hyperfluence, je vais, bon, bref, voilà. Mais franchement, les suspensions sont mieux que sur ma GSX-S. Ah ouais, je sais même pas du tout, je suis sur une route totalement dégueulasse. Et pourtant, elle est dégueulasse. Bam. La bichi qu'on a essayé, gros. Rah, elle est sortie direct. Voilà, les gars, la petite 790 Tchouch. En A2. Le frein arrière de chez KTM, les gars, je sais pas, mais c'est pas ouf du tout. C'est vraiment pas ouf. Elle a un look agressif de devant, les gars, c'est fou. Une petite moto de folie. Même les clignotants, les gars, c'est des LED. Tu t'amuses comme jamais. Je crois que j'ai pris plus de plaisir à conduire cette 790 en à peine 20-30 minutes qu'à conduire une MT-07, les gars. Même si ça fait un look déshabillé, un peu naked, tu vois. Favori, voyage, donné, mode de conduite. Mode de conduite, donc on est en sport. Il y a street, il y a rain et il y a track. Ok, d'accord, je viens quand même de passer en track. Ok, impeccable. Ça, là, non, moi, là, c'est mort. Ça, par contre, c'est mort. Enfin, je veux dire, tu mets pas quelqu'un derrière, tu imagines, mais là, tu te crames. Enfin, je te crame la cuisse, là. Qu'est-ce que ça donne avec le mode track? C'est fou. En deux, les gars, ça lève. Ça lève en deux, les gars. Il n'y a pas de problème. Ah, ça lève de fou. Ça lève de fou. Ah, j'adore. Tu peux faire un wheeling avec cette moto sans vraiment te faire peur. Elle est faite pour. Bon, petite interruption. J'ai changé la batterie de la GoPro. De toute façon, on était en train de la ramener à Daffy. Il n'y a personne. Ah, bah oui. Ah, bah bravo. On cale pas, nous. Le gars qu'on m'a toqué, il a juste de caler, gros. Oh merde, oh la honte. Oh les gars. Ah, c'est un bonheur. Ah putain, ouais. J'ai trop de terre pour faire un financement maintenant. Ah, pour faire le con, c'est... C'est génial. On s'amuse de fou avec. Ouais, bah ouais, et puis elle est en version A2. J'ai vu que Rodolphe m'a dit qu'il y avait la version full. Mais ouais, un gars qui veut s'amuser, faire le con et tout, c'est parfait ça. Bon, les gars, je remonte sur ma petite GSX-S. Mon dieu, j'ai l'impression qu'elle est à ras le sol. Oh là 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 là, ça qu'elle roule. Ça, c'est ma voiture coup de cœur. Les gars, les TT, muchas caliente. Bah écoutez, les gars, hein, j'espère que comme moi, vous aurez kiffé ce petit essai de la Juke 790. Voilà, la barre niveau conneries, elle est hyper haute. Elle est hyper haute chez KTM.